Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Ah, de l'unboxing, ça fait plaisir. Donc du coup, aujourd'hui, nous allons voir un truc très intéressant. Franchement, je suis satisfait du résultat. J'avais une version un petit peu plus puissante. Donc là, du coup, on a une version un petit peu ancienne. Ça fait plaisir. Je ne sais pas s'il y a ce qu'il faut dedans. Vous le verrez par vous-même. Donc du coup, on va ouvrir le petit carton des familles. Ah, par contre, il est immense. Là. Je recule un peu, voilà, et on va, voilà, on va, voilà, on va ouvrir la bête. Non, du coup, je ne sais pas, donc, bien sûr, un petit cutter des familles, là, ah, attends, j'ai modifié, j'ai rechangé ma lame, j'ai découpé une partie de la lame du cutter, et là, ça coupe, oh là là, c'est une dinguerie, comment que ça coupe bien, il n'y a même plus besoin d'y appuyer, ça se fait tout seul. Alors, du coup, on va voir. On a, bien sûr, du papier, ça change pas. Du papier, oh la vache, la quantité. Wow. J'aime bien les gens quand ils... J'aime bien, toi, vous voyez, comme c'est calé. C'est bien ça, quand c'est calé comme ça. C'est bien ça, j'adore, je valide. C'est de la qualité. Alors du coup, voilà. Et nous voyons la bête. La bestiole arrivée. Donc, le capot, bon, c'est un capot qui a de l'âge. Hein. Non. Le ballast, apparemment, il y est dedans. Donc, c'est une solaire qui a une particularité, par contre, la solaire. Oh. Là. La solaire est une des premières générations. Voilà. On a un petit peu le truc. Donc, le bloc, bon, bien sûr, ça se voit qu'elle n'a pas été appareillée par des vasques. Je vais abaisser encore un peu plus. Voilà. Voilà. Et donc là, en fait, le truc, c'est que... Voilà, donc, c'est impressionnant. Donc, je ne sais pas c'est quoi comme appareillage qu'il y a dedans. On va le découvrir ensemble. J'ai mon trépied qui est parti. Ah, chien. Ah oui, oui, en effet, ouais. Voilà. Le... C'est la première fois que ça m'arrive, ça. Alors, du coup, comme je disais, donc, du coup, la solaire. Donc, bien sûr, c'est même pas des boulons qu'on connaît. Donc, là, bien sûr, avec le petit trépied. Ah, qui est à l'envers, par contre. Mais, franchement, ça fait drôle de voir une solaire. Je ne sais pas quelle année. Alors, par contre, on va regarder, mais elle est complètement entartée. Bon, on va ouvrir ça, comme d'hab. Donc comme les pas, c'est chiant à ouvrir. Bon, je ne sais pas c'est quoi comme sorte de ballast. Ah, le condo, c'est un ASEC. Alors le condo, il a un petit peu fui. Le condo, il a fui. Mais non, franchement, il est pas mal. Regardez, un bon vieux ballast. Bon, c'est un ballast des années 70. Il ne faut pas s'y attendre. Hein. Mais non, il est en très bonne qualité. Le condo date de quand? Non, ça, j'espère que les condos comme ça, on les voit les dates. Le condo, il a bien pété. Je ne sais pas sa date de quand. Mais je dirais un condo à sec dans une Mazda, c'est étonnant. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça, eux, Mazda. Il a bien fondu le bordel. Hein. Oh la vache. Alors, moi qui allais savoir la date sur le condo, c'est compliqué. Moi, je dirais début milieu 70. On dirait 75 à peu près dans ces cons-là. Ouais, je pense que c'est ça, c'est à sec ces années 70. Le condo, il a bien fondu. Il a bien coulé. Heureusement, c'est un condo qui est pas en métal parce que là, j'en aurais eu partout. Mais, ah oui, d'accord, le câble il est pourri jusqu'à l'os. Ah ouais.
Ouais, putain, c'est une dinguerie. Et je crois que c'est un 3G2.5, ça. Ouais, c'est un 3G2.5. Mais franchement, j'ai hâte de voir ça. Alors, du coup, il y a des vis que. Des vis. J'adore. Des vis qui ont disparu. Alors, ça, c'est pas si grave que ça. Ça peut se rechanger. Ça peut se remettre des vis là-dessus. Donc, ça, c'est pas si grave. Mais par contre, la qualité du luminaire est un petit peu dégueu. Ouais, c'est pas la même couleur. C'est un petit gros revers. Revers. Mais ça fait plaisir. Donc, du coup, j'ai hâte de voir ça. Donc, on va remettre ça à la douille. On va mettre ça dedans. Oh, c'est bien. Voilà. On remet ça proprement. Hop, voilà. Non. Donc du coup, ça fait plaisir d'avoir ça. Donc du coup, la solaire, je la mettrai avec Solaire Projet Lux, hein, Mazda Solaire Projet Lux, parce que c'est une des années 70. Je pense que la solaire, la V1, parce que j'ai une solaire 251 aussi V1, je la mettrai dans Solaire Projet, dans Mazda Projet Lux, parce que ça. C'est pas du solaire, c'est pas du solaire, c'est pas la Mazda, Mazda. Par contre, on le voit très bien, vous voyez, regardez, comme je vous disais, on voit des trous, pas des trous, mais des piqûres. Ces mouches de merde qu'ils ont, les merdes de mouches qu'ils ont été dessus. Donc ça a contaminé l'alu. Mais ça, c'est pardonnable. Sur une solaire comme ça fait plaisir. Donc du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Par contre, j'en ai plein partout sur moi, c'est dégueulasse. Hop là. Voilà, et on va pouvoir. Voilà. Le carton qui est dans l'arrière-plan, c'est chiant. Doucement. Là. Donc, du coup, on va pouvoir se laisser là-dessus. Ça fait plaisir parce qu'en fait, j'aime bien vous faire partager les choses. Et donc, du coup, ce qui fait, je remonte un petit peu. Voilà. Et donc, du coup, on se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme de bien entendu, une Projet Luxe, Mazda Projet Luxe solaire, ça fait plaisir, hein? Ah, c'est pas faux!